Pourquoi Damana Picasse se dit « serein et confiant » Accusé notamment d'atteinte à la sûreté de l'État dans l'affaire de l'attaque du camp militaire d'Anyama en 2021, l'ancien secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo attend désormais les réquisitoires et plaidoiries, après l'audition de 15 témoins. Interrogé avant la reprise du procès, Damana Picasse s'est montré confiant. « Nous gardons notre sérénité. On ne se reproche rien et jusqu'à présent, on n'a pas encore pu prouver à travers des preuves notre implication dans cette affaire », a-t-il déclaré en substance. Selon lui, l'absence d'éléments incriminants et le déroulement des audiences renforcent sa conviction d'une issue favorable. Les témoins n'ont fait que constater qu'il y a eu effectivement attaque comme nous l'avons tous appris à travers la presse. Nous ne nions pas qu'il y a eu des coups de feu ce jour-là. Maintenant, quelle en a été l'ampleur? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'en savons rien. Les témoins qui ont défilé à la barre ne sont venus que pour attester qu'il y a eu des coups de feu, ils ne nous ont nullement mis en cause, ils ne nous ont nullement incriminés, a-t-il ajouté. Poursuivant, Damana Picasse, qui semble convaincu de son innocence, estime que la justice, dans le cadre de cette affaire, de faire démentir les rumeurs de ce que ce procès serait un procès politique. La balle est dans le camp des juges, a-t-il fait savoir. Ce procès, faut-il le rappeler, suscite une large attention nationale et internationale. Il met à l'épreuve la justice ivoirienne, dont l'indépendance est de façon récurrente remise en cause par l'opposition ivoirienne. Le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, par exemple, dénonce régulièrement des persécutions politiques contre ses cadres. De leur côté, Damana Picasse et ses avocats espèrent que l'audience de janvier marquera la fin de cette procédure en leur faveur, avec un verdict d'acquittement qui, selon eux, serait conforme à la vérité des faits. D'ici là, le sort de l'accusé reste suspendu aux décisions de la Cour.